Halt! Seuls les ministres sont autorisés à partir d'ici. Je ne suis pas autant amusée depuis le jour où j'ai découvert que le ministre de l'Agriculture faisait du trafic de truffes. Je me souviens de cette vieille canaille. À l'époque, il avait tenté de faire accuser son cochon truffier. Le plus dur, ça avait été de le distinguer du cochon. Mais assez plaisanté. Êtes-vous en mesure de plaider? J'ai tout préparé soigneusement. À moins qu'une catastrophe ne survienne, Zamon est cuit. À ce temps-là, la reine Jenna ne tardera pas à vous remarquer. De toute façon, je veillerai à ce qu'il entende parler de vous. Le ministre Codecus vous attend. Dites-lui quand vous souhaitez le voir. Bonne chance. Puisse Lissa vous conférer une éloquence de tribun. Les Séraphins ont dépassé les bornes. On n'est jamais seul sur le champ de bataille. Vous avez accusé un ministre de trahison. C'est ridicule. Que Cormyr éclaire vos pas. Oyez, je déclare ouvert le procès du ministre Julius Zamon sous la présidence du juge et ministre Codecus. Qui représente la partie civile? Oui, votre honneur. Nous avons des preuves que le ministre Zamon a comploté contre les citoyens du promontoire divin. Il s'est rendu coupable sous son mandat de meurtre, de vol et de haute trahison. Nous allons présenter des documents accablants et des témoignages sous serment de membres respectés de la communauté, notamment celui de la sœur de l'accusé. Les accusations de la partie civile sont accablantes. Ministre Zamon, êtes-vous en mesure de les réfuter? Réfuter ces accusations? Pourquoi faire? Seigneur Codecus, conformément aux droits qui me sont conférés par les plus anciennes lois de Crete, je demande à être soumis au jugement des armes. La cour valide votre requête. Conformément à la coutume, vous avez le droit de choisir un allié pour combattre à vos côtés dans le cercle. Merci, votre honneur. Je choisis mon serviteur, Etel le Détestable, comme second combattant. La partie civile doit également désigner un combattant principal et un secondaire, ou se dessaisir de l'affaire. Je serai le principal répondant, votre honneur. La cour est-elle prête à m'accorder une pause, le temps pour moi de choisir un second? C'est d'accord. Quand l'accusation sera prête à reprendre, cette cour procédera au jugement des armes. Quel beau temps nous avons là. Ravi de vous voir. Ahai, mon ami. Nous sommes prêts à commencer, votre honneur. J'ai choisi un allié. Un choix intéressant. Pour information, notez que ce duel ne cessera pas avant que les deux membres d'une équipe ne se soient rendus ou n'aient été vaincus. Si le seigneur Zamon sort victorieux du combat, il sera innocenté. L'affaire sera alors classée et il ne pourra plus être poursuivi pour les mêmes charges. Si vous gagnez, Zamon sera reconnu coupable de ses crimes. Je comprends. Mettez-vous en position et le jugement des armes pourra commencer. Bonne chance à tous. Que justice soit faite. Thank you.
Les armes ont parlé. Conformément à la loi de Crit, le ministre Zamon est reconnu coupable. Le ministre Codecus n'a pas l'air content. Il déteste tout ce qui porte préjudice aux droits des ministres. En acceptant le jugement des armes, il se désengage de l'affaire. Vraiment, Logan? Comment croyez-vous que Zamon a pris connaissance de cette loi antique autorisant le duel? Il n'a jamais étudié l'histoire. Vous pensez que Codecus a parlé à Zamon de cette vieille loi? Ne faites jamais l'erreur de sous-estimer le ministre Codecus. Au moins, Zamon moisira en cellule grâce à vous. Allez célébrer cette victoire bien méritée. Anise et moi vous recontacterons.